Jou arrivé. Ouh, jou arrivé. Comment nous est? C'est moi et mon corps. José, nous venons parler d'un superbe match captain nous dans la Ligue des Champions, son choc en finale avant l'heure. Et ben, m'te promettre nous sur page là, m'te promettre nous dans live là, m'tape pour venir parler de Paris Saint-Germain qui a recevoir le grand Real Madrid, s'il vous plaît. Rapidement, nous allons regarder qui est à forme équipe yoye. Real Madrid, sous 5 derniers matchs lio, li marqué 5 goals seulement, li prend 4 goals. Ça craint quand même. Tandis que Paris Saint-Germain, sous 5 derniers matchs lio, li marqué 12 goals, li prend 1 seul goal, li rete sous 4 victoires avec 1 seul nul, mais malheureusement, grand match nul, ça a que le fait. La pénalité, c'était contre Nice et c'était en Coupe de France, s'il vous plaît. Donc ça veut dire, si on a comparé l'état de forme, sous 5 derniers matchs lio, Paris Saint-Germain en forme. Même si il va évoluer dans le même championnat avec Real Madrid, bien sûr. N'a pas continué. Maintenant, on a le regarde face à face. Comment face à face yo? Monsieur, sous 5 derniers matchs que vous jouez ensemble, yo chaque là gagne 2 victoires. Donc, 2 victoires pour Real Madrid, 2 victoires pour le Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, on match nul. Le dernier match en date, c'est lui-même qui est match nul. Hein? 2-2, c'était au Santiago Bernabéu. Paris Saint-Germain va te mériter match nul, ça non. Mais il était jeune quand même et ça t'a montré nous que Paris a une dimension que il commence à prendre sérieusement dans le championnat. Ça. Dans la Ligue des Champions encore, en Europe tout court. Qu'on y a là, on nous rapidement poser question, tout le monde a posé. Hein? Ça, c'est la question. La grande question. Qui est-ce qui favori en deux équipes ça yo? Paris Saint-Germain en côté, Real Madrid de l'autre côté. Et c'est Paris Saint-Germain qui a pris ce voie, m'a rappelé nous ça. Qu'on y a en nous répond à la question sérieuse, qui c'est, qui est-ce qui favori? On connaît Napton Mouela. Qui est-ce qui favori? Qui est-ce qui favori? Pour nous-mêmes, nous avons favori. Par exemple, si nous regardons bien, en pile observateur, en pile monde dans la presse, et yo t'a fait nous comprendre que voilà, c'est Real Madrid qui favori. Mais, bon, posez nous une petite question. Comment on équipe t'a fait gagner Messi la donne, Ligue Mbappé la donne, Ligue Neymar la donne, même le lit, et retour lit assez juste, pour nous t'a comprendre que Real Madrid favori? M'a pour dire encore. Et, ça m'a dit, c'est un bagage que nous devons considérer sur le papier. Donc sur le papier, c'est le Paris Saint-Germain tout simplement qui favori pour match football ça. Sur le papier, ça veut dire c'est pas première fois une équipe pour jouer en l'autre, les favori et puis le perdu. Mais si n'a respecté football là dans lui-même, ça dit bien ça m'a dit nous oui avec si n'a respecté football là dans lui-même, c'est Paris Saint-Germain qui favori pour rencontre football ça. Ça dit Paris Saint-Germain avec Joël Guerriero, ça fait peur. Maintenant sur le terrain, c'est une autre réalité. Kounia, nous allons rentrer d'emblée dans analyser match là dans lui-même. OK, parce que favori on pas dit que Paris Saint-Germain prend le bat. Kounia, on nous rentrer directement dans qui Jean et Paris Saint-Germain qui a fait Real mal. Parce que ça pour nous comprendre dans match ça qui vient là, match là ou encore résultat premier match là, il prend dépendre de entame de match là qui est extrêmement important. Et il est encore plus important pour le Real Madrid parce que non seulement il est en déplacement, mais tout, il pourrait jouer face à une équipe qui c'est pas un petit bail petit. Parce que, m'pas qu'on est, si nous songez ça, en pile fois, nous qu'on font tiblier, et pas même moi, nous pas gagnons, mais nous qu'on font tiblier qui exploit une série de équipes sur le fait dans 2, 3 ou 4 dernières années. Real saute fait un superbe exploit, il saute carrément fait trop toujours parce que si nous étions dans le football, ça Real saute fait oui, c'est pas bail comme on pourrait l'égaler, on équipe pourrait l'égaler Kounia. Donc son bagaille et peut-être qu'il pourrait le prendre un paquet de temps avant pourtant des grandes équipes qui remportent Ligue des Champions pendant tout le temps ça et une des autres genre Real Madrid saute fait là. Mais on nous était dans le match football ça. Puis, n'oubliez que Paris Saint-Germain a évolué dans le championnat côté que presque toute équipe là pour affronter Paris, ils viennent jouer le match de leur vie. On peut dire nous là. Équipe qui a joué contre Paris Saint-Germain, ce sont des équipes qui sont complexées. Et du coup, le fait qu'ils sont complexés, ils ont complexé Paris tout. Ils ont empêché Paris de jouer au football lien, ils ont tout fait, ils ont tout founé, ils ont balcou, ils ont emmerdé, ils ont tout problème, ils ont empêché de jouer et ils ont recroquevillé devant quand ils ont joué physiquement très fort. Ça veut dire, et chaque équipe dans la Ligue 1 qui prend quelqu'un pour jouer avec Paris Saint-Germain, son final que lié pour l'équipe là. Parce que, il n'est pas donné à tout le monde d'affronter des joueurs comme Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, etc. Donc, chaque fois que monsieur joigne avec Paris, yo connaît très bien que le monde entier a regardé yo, c'est peut-être moment pour yo faire un recruteur, ouais, qui ça au café, yo sorti le match de leur vie.
Donc, ça vient de faire que Paris Saint-Germain toujours nous en difficulté, le lap jouen en Ligue 1. Et, m'bral ban nou exemple. Le Paris Saint-Germain joue équipe, ça veut dire c'est en termes de match, m'abdi nou, faut que Real bat, s'il pral fait 15 premières minutes, yo, lap joue wo, lap met pression, faut le faire goal dans 15 premières minutes, yo. Parce que dans 15 premières minutes, ça yo, par exemple, s'il choisit tout montrer mais comment le camper, s'il pas fait goal, les cap en contre-attaque. Et même le fait goal tout, les cap en contre-attaque. Donc ça très important dans match que vous allez pour jouer ensemble parce que pas oublier, bah là c'est pas seulement faire goal, lié, non, c'est ça. Donc deux entraîneurs vous allez connaître qui ça vous allez faire. Maintenant, on nous regarde qui ça Paris Saint-Germain joigne le jeune avec équipe qui voulait jouer football avec. Le jeune avec équipe qui voulait jouer football avec qui ça n'était ouais. Par exemple, contre City cette saison 3-0, non, pas de presse là. Pour qui ça? Parce que City voulait jouer au football. N'a pas continué, même si on a perdu contre City dans le match retour là, parce qu'il était un peu moins bien, parce que City était préparé match en avantage. On a regardé qui ça a été fait pendant deux dernières années. Il a fait finale Ligue des Champions. Il a fait demi-finale Ligue des Champions en éliminant le FC Barcelone parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Ils ont marqué 4 buts au Camp Nou. Ensuite, s'il vous plaît, ils ont éliminé le Grand Bayern parce que le Grand Bayern était un peu plus conquérant parce que le Grand Bayern a laissé beaucoup d'espace. Et bien, qui ça qui vient arriver? Paris Saint-Germain joue un espace, il a eu 3 goals dans l'Allianz Arena. Paris Saint-Germain, l'autre jeune avec une équipe qui voulait jouer au football avec elle, étant donné que le grand expérience que le vient connu à tout, étant donné que le vient bon joueur, il a vitesse, s'il vous plaît, qui ça te passe. C'est comme si c'était un joueur football ou encore n'importe joueur sport qui t'a entraîné avec plomb dans pied et puis ou retiré plomb. C'est comme si on prend un poisson ou dit en allant de l'eau. Immédiatement que vous choisissez jouer football ou quitter espace ou bien Paris Saint-Germain le soin pour jouer du football par là tout à chaque fois les jouer une occasion. Maintenant, comment Real Madrid a fait Paris Saint-Germain mal? Real Madrid sont belle équipe, pas Real Madrid gon mit en terrain qui est extraordinaire, des joueurs comme Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric. D'ailleurs, Luka Modric que entraîneur a été prendre le soin pour le quitter reposer parce que le connaît, il prend le besoin baguette magique ça. Eh bien, non mit en terrain justement parce que mit en terrain Paris Saint-Germain à Lyon Tijan et on mit en terrain qui Meli Melo, il dit pas grand extérieur monsieur a fait la donne, il y a un petit genre dans spéculation. Et des pour dans spéculation contre une équipe ta Real Madrid ou Melé parce que monsieur Sayo c'est des moun, il y a un doctorat dans sa affaire là si nous voulons. On monte ta Toni Kroos, bâton chocolat, on monte ta Luka Modric, bâton chocolat, on monte ta Casemiro, bâton chocolat. C'est pas des joueurs qui connaient rater gros match. C'est pour ça yo c'est grand joueur. Trois moun Sayo que m'a dit non là pour compte pas yo. M'beaucoup même rivé sous peut-être point d'ancrage Real Madrid là. Contre Liverpool, il y a un gros bagage que Zidane t'a fait. Il y a un bagage que Liverpool bat même moins qu'à venir. Là, on a parlé de saison passée, je crois. Contre Liverpool, par exemple, le Real Madrid a quand même atteint le dernier carré de la Ligue des Champions. Et personne ne va trouver que Real Madrid t'a fait un bagage comme ça. Mais comment le fait? C'est parce que chaque match vous préparez, on nous dit après chaque match une de l'autre. Ou vivre au jour le jour. Ou pas ni projeter au trop, ou être pied sous terre, ou être tête sous épaule. Mais ça qui passe, contre Liverpool par exemple, monsieur pas t'attendre à ça du tout. Et nous gardons nous Zidane faut bagaille qui est extraordinaire. Monsieur prend Vinicius Junior, il fait le tourner point d'ancrage à ta client malgré que Karim Benzema parce que il connaît très bien que équipe l'ont tap veiller Karim Benzema. Et bien qui ça le fait, il font connexion cross avec Vinicius Junior, il choisit appuyer sur vitesse, puissance, technique Vinicius Junior et puis il bat Liverpool effectivement grâce à Vinicius Junior. Et bien qui t'aime dit nous, même le Karim Benzema fait retour dans le groupe là cette fois-ci pour affronter le Paris Saint-Germain, premier danger et pour Paris Saint-Germain, c'est pas Benzema lui. Lire Vinicius Junior parce que écoutez bien, si Vinicius Junior respectait tête li, li doit faire tête li justice comment? Il y a la presse internationale qui pressait pour lui font comparaison entre Kylian Mbappé et Haaland et pourtant entre les deux, il y a quand même Vinicius Junior et qui peut-être, bien sûr, a plus talent que tous les deux. Donc, qui ça, M. Bralien, pour le faire? C'est gros Mathieu qui fait gros joueur. C'est gros Mathieu qui faut reconnaître gros joueur. C'est gros match qui bon, non? Vinicius Junior a le devoir, vraiment le devoir, de nous sortir le match de sa vie. Oui, contre le Paris Saint-Germain. Il est jeune, M. gagne vitesse, M. compte jouer football, M. gagne vision. Et M. Gon finition Kounia qui est extraordinaire parce que lui choisit travail sous ça. Donc, moi, j'étais croyant que Vinicius Junior aura un coup à jouer dans ce match. Puisque, même le Pochettino, c'est un coach qui excellait dans contre-attaque. Nous clair sous ça. Parce que, nous, par contre, si nous comprenons ça qu'on fait là. Un tas match là important. Ça veut dire,
D'un côté, il y a Ancelotti qui supposait qu'on comme à l'entamé match là, et d'un autre côté, il y a quand même un coach expérimenté dans la contre-attaque, s'il vous plaît. Parce que son monde qui fait, m'a rappelé nous, finale Ligue des Champions avec Tottenham. On nous dit, monsieur fait Zanni dans contre-attaque avec Tottenham, dans toute première ligue là, contre toute équipe. Monsieur ronfle City en pile fois avec contre-attaque. Monsieur très bon dans contre-attaque, il y a un joueur pour contre-attaque. Il a Messi qui gagne en vista tête chargée, il y a Mbappé qui gagne des jambes, et ah non, jambes ça, m'a connu, il y a Usain Bolt qui l'a dans yo. Ensuite, s'il voulait, il peut utiliser Neymar, même si m'a peut-être rapidement fait un petit point sur ça pour nous. Grand joueur, par contre, il y a des rythme, ceci, cela. Noah Benzema, Neymar, depuis monsieur ça a joué, il a joué dans bagaille pour faire un match football là. Parce que c'est volonté avant tout. Il m'a conti rythme, c'est vrai. Mais, il est toujours là, et il a peut-être utilisé. Maintenant, Gendy Maria tout pour ne pas oublier qui sont joueurs qui déterminent qui peuvent jouer contre équipe que le tape jeu là dedans et chaque fois monsieur joue contre Real Madrid il est bien inspiré hein il est bien inspiré on passe dans l'autre phase dans cette présentation ça Kounia on a regardé qui est capable jouer saison yo dans grand match football ça Ancelotti, pour qui ça, moi mettez monsieur dans le monde qui a joué saison yo, ou encore qui a joué prestigio, qui a joué tout ça yo gagné dans un grand match, dans une saison. Eh bien, Ancelotti, c'est ancien entraîneur à Paris Saint-Germain. Et le Ancelotti t'a entraîné Paris Saint-Germain, Ancelotti t'a gagné, par exemple, Leonardo qui était là, et puis monsieur était carrément menacé pour limoger monsieur. Le grand Ancelotti, s'il vous plaît, pour quelques résultats qui mitigés, ou à pour une équipe qu'on prend pour le faire pour vous, Paris Saint-Germain, votre coin rien du tout, et pour dire, ou pral limogel, ça te gâte un paquet de bouillet, ça te dérange. Et à la fin de la saison, Ancelotti t'a pral gain pour le quitter le Paris Saint-Germain, le petit Paris Saint-Germain, pour le grand Real Madrid. N'ap continue. Sauf que Paris Saint-Germain était bon pour qu'on a toute fourmi, il était pareil pour monsieur. Monsieur t'a rentré des Bayern en 2017. Yep, monsieur. Et puis, monsieur t'a pral gain pour le qu'on en défaite qui est sans pareil contre le Paris Saint-Germain. 3-0, s'il vous plaît. Et puis après Matza, Ancelotti t'a pral apprendre que au tap viril. Tenez bien. Yo limogé monsieur, révoqué le t'a courant rien du tout. Et s'il vous plaît, attendez, stat qui fait mal là. À l'époque, en 22 ans de carrière, c'est la première fois que l'Italien t'a pral gain pour le quitter en équipe pendant une saison. Ça vaut que j'aime fait pour yo limoger le grand Carlo Ancelotti. C'est un peu comme Phil Jackson dans le football. Donc ça veut dire Phil Jackson, c'est Zen Master. Et puis monsieur, c'est un peu comme Phil Jackson parce qu'il gérait toute situation très bien. Donc Ancelotti prend le besoin peut-être prend revanche sur Paris Saint-Germain parce que son club quelque part il gagne après il la donne il gagne et ti ADN il la donne si nous voulez lui fait partie de monde qui mettait première pierre parce que c'est Avel et on monde tant que Verratti était là on monde tant que Pastore elle était qu'à commencer à jouer en belti football. Donc Ancelotti comme premier monde. Deuxième monde, Pochettino bien sûr. Pochettino c'est peut-être entraîneur qui gagne plus pour le perdu non et rencontre football ça dans série ça quoi venir là. Pour qui ça? Premièrement, parce que Pochettino, c'est un entraîneur qui est très contesté. Actuellement, là, t'es gain ultra parisien qui t'es sifflé, monsieur, contre Rennes. Et, monsieur, t'es fait grève et y'a pas trop chanté non parisien pendant match-là, y'a pas animé match-là. Ensuite, t'es sifflé joueur pendant un bon temps. Et y'a t'es sifflé Pochettino. Donc, Pochettino qui m'a dit, qui rappelait monsieur que faut qu'il fonce la équipe là parce que dans l'échéance, ça qui arrive là, l'équipe là a besoin yo plus que jamais. Effectivement, en pile moun, moi-même tout, nous pas senti pat on monte d'un coup Pochettino en dans l'équipe de football. Ça. Nous sentis, monsieur, semblait pas des épaules pour mener jouer au football. Ça. Et Pochettino obligé de faire un coup tactique qui réussit pour qui ça? Pour lui-même avant tout, mais tout pour le prendre confiance, voyons. Parce que leur entraîneur a entraîné en équipe, chaque coup tactique qu'il fait qui réussit, joueur gagne confiance dans lui. Et c'est ça qui pourrait le faire que l'elfe font micro tactique sous banc. Il m'a dit un tel prend telle place, il a fait confiance aveuglément parce que il connaît ça l'affaire. Et bien c'est exactement ça qui va avec Guardiola. C'est parce que le continue à gagner qui fait joueur lui faire confiance et qui vient et relation ça vient mettre joueur en confiance tout qui vient faire au cabo football que voilà. Donc il y a un monde comme Pochettino obligé. Non, obligé épater Joaillot, même si, s'il vous plaît, avant la venue de Messi, il l'avait fait contre le Bayern Munich la saison passée, jusqu'à ce que Messi ait gagné pour être venu éliminer contre le grand Guardiola. N'a pas continué avec mon cap joué saison au Grand Match Football. Ça. Mbappé! Oui, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un joueur que toute la presse annonçait vers le Real Madrid. Si! Écoutez bien, si Kylian Mbappé a annoncé vers le Real Madrid, et puis mauvaise chance pour monsieur, PSG a tombé, sous qui est-ce? Sous Real Madrid. Ça dure, hein?
Parce que tendez, qu'on y a là, tout le monde peut scruter performance Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui gagne comme devoir, cap quitter équipe ça, pour le pas même à laisser défendre comme quoi pour le tal font passant au trait et puis sortant de là équipe la prend boule là ils font goal et puis tout font on paquet de paroles en pile ça même Mbappé bah on passe goal contre Paris Saint-Germain. Nous connaissons tout ça qui arrive sur internet. Bon bref, ça c'était pour jouer, mais ça qui est important. Kylian Mbappé gagne pour le sortir match qui puis parfait qui existait parce que dans football là c'est ça lié. Éthique professionnelle là veut que même le on équipe préto à une autre équipe immédiatement que rencontre avec équipe qui préto là faut qu'on joue contre lui avec toute force pour montrer que le gain li pas gain raison préto ou encore pour montrer que progresser li était préto pour progresser pas gain plus bon vitrine qu'on ca montrer le progresser que contre lui. Donc si Real Madrid a recruté Kylian Mbappé, Kylian Mbappé doit montrer Real Madrid li gain raison à recruter le parce que lui même l'a retiré dans la Ligue des Champions saison ça parce que faut qu'il te prenne le plus bonheur. N'a continuer. Et puis bien sûr, Lionel Messi. Moi me dis non bagaille. On joue ta comme Messi qui gagne tout ballon d'or ça, qui vient dans Ligue 1, bagaille difficile pour lui, même si m'a gagne pour me faire émission pour m'expliquer nous qui ça fait bagaille difficile pour lui un peu plus, mais nous pas besoin qu'on bagaille ça pour l'instant. Messi prend le jouer contre une équipe que le vraiment pile. C'est meilleur buteur classique Messi est, s'il vous plaît. Son adversaire Messi vraiment pile, il remet balle gol. Mais ça fait longtemps Messi pas dans Real Madrid goal. Ça fait longtemps Messi pas représenté un danger pour Real Madrid. Hmm? Avec Barcelone, il va te représenter. Quel temps? Est-ce que avec Paris Saint-Germain côté monsieur paraît ton monde qui semblait pas gain dent qui pas ca manger gratin, li prend c'est toute question ça que n'a posé tête nous. Et mais qui est-ce qui est plus bien placé pour bonne réponse là? Messi bien sûr. N'a pas tant Messi parce que attendez, le bonhomme, il est critiqué par toute la presse. Et franchement, il a gain raison. Il a gain raison parce que c'est quand même Messi. Nous pas besoin qu'on équipe pour les mouguer, hein. Nous pas besoin qu'on ait sauté qui t'a fait mal dans tel match. Nous pas besoin qu'on ait. Nous besoin goal. Nous besoin passe goal. Où est le Messi? Ou choisir à jouer dans l'autre club? Levez niveau, descend à jeune nègre aussi, ou pas qu'à lever vingt genoux. L'ICEP. Eh bien, qui pi bon vitrine, qui pi bon exposure, qui pi bon événement, qui t'a capable d'exister pour Messi faire tout le monde nous songer que c'est lui que Messi, hein? Contre le Real Madrid. Match ça, c'est un match qui pourrait gagner plus affluence dans la Ligue des Champions. C'est quand même Messi contre le Real. Et yon joueur tapo Casemiro qui a lancé rencontre là pour le dire contre le Paris Saint-Germain, vous allez voir un grand match. Bien sûr, nous connaissons nous un grand match, mais nous besoin pour dire nous ça. Nous clés sous ça, oui. Nous allons un grand match dans tout sens. Nous allons goûter dans le terrain. Nous allons duel et dans le défenseur. Nous allons mon cap gratter goal. Nous allons goal. Il y a deux grands gardiens qui prennent l'une en face l'autre. Il y a gros attaquant qui prennent en face l'autre. Il y a gros mitan terrain qui prennent en face l'autre. Nous allons plaisir. Eh ben, mais oui. Kounya là, soumandez-moi encore une fois, qu'est-ce qui favori? Mabdou, oui, c'est le PSG le favori. Et soumandez-moi qui est-ce qui bat match là? Mabdou, m'pas connaît. Parce que match là, c'est sous terrain, on va le jouer.